Cette émission est enregistrée devant public. C'est ça. Allô les filles, comment ça va? Mais Julie, tes cheveux sont donc bien beaux aujourd'hui. Tu trouves? Ben merci, j'ai même pas le temps de les laver. Mais ça te fait bien les cheveux sales. Sa journée est un vrai party. C'est sa fête. Ah, OK. Ben je vais enregistrer ça dans ma disquette, chose qui m'intéresse pas. Hey Julie, j'ai décidé de retourner aux études. Wow, comment ça? Je sais pas. Bon, j'étais peut-être juste tannée que ma mère m'envoie des lettres déprimantes là, pour me faire sentir coupable. Elle pense que je fais rien de ma vie. Alors qu'en réalité... Je fais rien de ma vie, mais c'est pas de ses affaires. Check la lettre. Chère Catherine, papa et moi sommes très inquiets pour ton futur. Ils me demandent souvent qui est devenue la petite fille qui faisait la joie de ses oncles en dansant sur la table du salon des dizaines. Elle a pas beaucoup changé. Veux-tu lire, là? Pourquoi n'es-tu pas comme ton amie Julie? Elle est si responsable, même si elle n'a pas l'air propre. Elle m'a même envoyé un autre de ses cadeaux artisanales. Pas un autre bus de Félix Leclerc en macaroni. Non, non. N'empêche qu'un soir, j'étais mal pris, puis j'ai réussi à recevoir 4 personnes à souper en trempant la tête de Félix dans l'eau bouillante. C'est quoi ça? Une housse pour une boîte de Kleenex. Ça veux-tu? Ben, laisse faire. Ben, laisse-la là, là. Quelqu'un va peut-être la ramasser. Mais qui c'est qui voudrait d'une affaire de même? Un cadeau pour moi! Oh, ben, ma gang de malades mentales, vous autres! Est-ce que tu sais ce que c'est? Ben oui! C'est un chapeau! Josette, tu sais que je suis pas du style à juger les gens, hein? Excusez-moi, madame. En octobre, là, Lorraine est allée à chasse, hein? Pardon? Mais au printemps, on a retrouvé son char avec une balle entre les deux forts! Hey, you, vous excuse! Hey, on dira ce qu'on voudra. Elle a tué une pinto. Hey! Beauté! Tu m'excuses, là, j'ai quelqu'un devant moi, là, puis elle a pas l'air commode, il faut que je te laisse, là. Si je t'ai pas appelé dans une heure, appelle la police. Je voudrais des informations sur les cours du soir. Prends un numéro. Ben, je suis toute seule. Prends un numéro. Numéro 128. Ah. Non, mais attends ton toaster. Mais je suis toute seule. Numéro 4. Le 11. Le 11. Numéro 12! Le 12! C'est moi! Tu vas avoir des renseignements sur les cours du soir? Ouais. Ma fille n'a suivi les cours du soir. Ah, vous avez une fille? Non. J'ai un fils bien efféminé. Bien sûr que j'ai une fille épaisse. La grande attardée. Elle voulait abandonner sa carrière de cascadeuse. Elle qui avait tellement de potentiel pour débouler les escaliers. Elle voulait être médecin. Oh, la grande tête molle. Elle tombait d'un pas, mais rien qu'entendant la musique du docteur Welby. On était tellement écœuré de la retrouver sans connaissance que finalement, on y a inscrit « Bienvenue sur son chandail » pour l'étendue devant la porte. Ah, ben intéressant. Fait que, je peux-tu avoir des renseignements sur les cours? Les cours du soir? Non, les cours de lutte gréco-romaine. Bien sûr, les cours du soir. Est-ce que vous avez un catalogue récent? Non, on a juste la vieille version, gravée sur des plaques de marbre. Mais bien sûr qu'on a un catalogue récent. Tu veux le voir? Non, non, fermez les lumières, je veux juste le sentir. Bien sûr que je veux le voir. Est-ce que vous l'avez ici, là? Ben non, je l'ai en dessous de mon oreiller à la maison. Mais bien sûr que je l'ai ici. Tu veux t'inscrire maintenant? Non, je vais attendre dans 40 ans pour avoir les rabais de l'âge d'or. Bien sûr que je veux m'inscrire maintenant. Est-ce que je dois remplir des formulaires? Non, je vais être dans un 7 carré. Mais bien sûr qu'il faut remplir un formulaire. Et t'as un stylo? Non, non, je vais mettre de l'encre dans le nez puis je vais me moucher des feuilles. Bien sûr que je veux un stylo. Hey, tu te moques-tu de moi, toi, là? Oui. T'es pas pire. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, un drame de mœurs américain et les brioches du destin. La vie d'une boulangère est bouleversée lorsqu'elle apprend que son fils est le père de son nouveau mari. Ce qui fait d'elle l'arrière-grand-mère de sa fille, la grand-mère de son époux et la bru de son fils qui a besoin d'une greffe de poumon. Oh, mon Dieu, que ça a l'air bon. Ah oui, c'est super bon. Je l'avais déjà vu, mais tu vas voir. Après un accident d'hélicoptère, la boulangère se retrouve sur une île déserte avec des dinosaures. Non, ça, c'est la suite. Les brioches jurassiques. Hey, les gars, faudrait faire autre chose que tout le temps regarder la TV. OK, à go, on se lève. Un, deux, trois, go. Y a-t-il quelqu'un qui peut attraper la télécommande? Ben ça,
ça m'a pris du temps avant de me décider. Mais je me trouvais trop vieille pour retourner à l'école. Mais voyons donc! On a eu un homme de 87 ans qui est retourné aux études. Ah. Oh, c'était tellement inspirant, là. Il passait son temps à fixer le tableau, là. On le pensait très attentif. Finalement, il était juste mort. Oh. Ça ici, là, c'est-tu bon comme cours? Ouais. Mais je te le conseille pas à cause du prof. Il est pas bon? Bon. Il est pas mauvais, mais baptême qui pue de la gueule. C'est à croire que sa religion lui a interdit le rince-bouche. Ah, mais tu sais, il y a tellement de choix de cours, là. Moi, je sais plus quel cours choisir. Écoute, d'abord, là, il faut connaître tes aptitudes. En quoi t'es bonne? Rire du monde. Moi aussi, mais il n'y a pas débouché. Faudrait que je trouve un domaine qui offre des possibilités à une jeune femme comme moi, qui est dynamique, paresseuse et bien coiffée. Mathématiques? Ah, trop cérébrale. Mécanique? Trop physique. Histoire? Ah, trop historique. Psychologie, physiothérapie, sociologie... Trop de I. Oh! Administration! Oh, administration, ça, mes parents, ils aimeraient ça. Ils ont toujours voulu que je m'en aille à l'administration. Ils ont même voulu me payer des cours, hein? Ils ont insisté pour que je prenne l'argent. Puis, finalement, t'es pas allé en administration? Je suis allée en Floride. Ah, moi, il y a un métier, là, qui m'aurait plu. Mais mon orienteur a trouvé que j'avais pas d'aptitude pour les relations publiques. Oh! Ça fait que j'ai mis mon poing d'en face. Oh. Hey, c'est important de faire quelque chose que t'aimes dans la vie. Sans ça, tu réussiras jamais. Non, mais finalement, je suis pas sûre que l'université s'est faite pour moi. Tu sais, il y a plein de choix de cours, mais il y a rien qui m'accroche. Oh, prends le temps de réfléchir. C'est une grosse décision à prendre, hein? Tu vois, si on avait pris le temps de réfléchir pour ma fille, là, rien qu'à y voir la face, on l'a renvoyée tout de suite dans l'école de clown. Ouais. Je pense que je vais y penser encore, hein? Ben, merci! Hey! T'as pas le droit de sortir le catalogue, hein? Oh. Les étudiants peuvent en avoir besoin. Excuse! C'est pas grave. Ah! Merci! Bye! Bye! Bon, ça va faire, là. Qu'est-ce que tu fais là? C'était la meilleure partie. La tension dramatique était insoutenable. On allait enfin savoir lequel entre le shampoing A ou B combat le mieux les pellicules. On fait rien de nos temps libres. Je trouve qu'on devrait se forcer un peu pour organiser des activités. Quelque chose de productif. On pourrait faire des travaux communautaires qui aideraient à l'épanouissement de notre société. Non, mais sérieusement. On attend tout le temps après les filles pour organiser des affaires. Ouais, t'as raison. Il faudrait trouver quelque chose qu'on peut faire ensemble, hein, gars. Je sais pas, moi, on pourrait sortir, faire de l'exercice un peu. Non, franchement, Gilbert, la dernière fois que t'as fait du sport, César était en proche. On pourrait aller à la pêche? Ah, ça, c'est hors de question. Moi, me ramasser avec des bibites à des places que j'ose même pas me toucher en privé. Ça nous prend une activité saine. Et les gars? Mais viril. Le bowling. Gilbert! Je peux-tu te parler? Ouais. Te souviens-tu de mon amie Micheline? Ah, ton amie d'enfance qui est réceptionniste dans un abattoir, qui était tombée en amour avec moi parce que j'y rappelais un poney qui louche. Non, je me rappelle pas. Ça te dérangerait-tu si peut-être elle venait passer une couple de jours ici? Il n'y en est pas question. Ah, OK, je te comprends. Ça va. Non, Micheline, Gilbert veut pas que tu restes ici, hein? Va-t'en! Ah! Micheline, prendrais-tu un bon verre d'eau? Es-tu folle? Je veux pas déranger. Veux-tu arrêter avec ça? Je te l'ai déjà dit, de toute façon, tu déranges. Arrête donc de niaiser, Micheline. Là, bois donc quelque chose. OK, d'abord. Toi, Gilbert, tu sais parler aux femmes. Je me sens tellement déshydratée que si j'essayais de cracher, la langue me cassera en deux. C'est comme la fois où est-ce qu'on s'était perdu dans le bois, t'en souviens-tu? On était torturés par la soif. Il y avait une rivière qui coulait juste à côté, mais c'était assez choquant, on n'avait pas de verre. C'est la Sûreté du Québec qui nous a retrouvés, grâce au feu d'Isabelle. J'avais aucune expérience de survie, puis j'ai réussi à faire brûler des branches de bouleau. Puis le trois quarts de l'Abitibi. Sans penser aux nouvelles. OK, comme ça, finalement, t'as gagné un voyage dans le sud, Micheline. Je suis tellement chanceuse. C'est comme si j'étais née avec une patte de lapin. Ben, c'est toujours mieux qu'avec un bec de lièvre. Ou une culotte de cheval. Ou un panache d'orignal. Les filles, c'est correct, là, j'ai compris l'image. J'ai toujours été bonne dans les jeux de hasard. Je te dis, elle est aussi chanceuse qu'une tuberculeuse dans un magasin de crachoirs. Veux-tu qu'on te fasse une démonstration? Non, pas vraiment. OK.
Micheline, choisis un chiffre de 1 à 10 au hasard. 5. Non. 8. Non. 5. Non. 6. Non. 5. J'ai dit non. 10. Non, mais c'est presque ça, là. 2. C'est ça, maudite chanceuse. Hey, tu souhaites la loque. Laisse-moi te toucher. Lâche-moi. Lâche-moi. Bonjour, les garçons. Ça va bien? Qu'est-ce que t'as sur la tête? C'est mon cadeau de fête. Tu es beau, hein? Oh, je suis tellement touchée. Comme ça, les gars, vous en allez jouer au bowling. C'est excitant, hein? Il y a même un élément de danger. Ben oui, faut louer des souliers. On court le risque d'attraper du pied d'athlète. Oh! Good, vous êtes toutes ici. J'ai une grande nouvelle. Tenez-vous bien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me suis inscrite à un cours, quelque chose qui va transformer la face de la planète. Tu veux devenir ingénieur? Physicienne nucléaire. Microbiologiste? C'est proche. Je vais devenir esthéticienne. Si on rit, vas-tu nous faire mal? Vous avez l'air déçue. Ben, personnellement, je le suis. Je suis déçue comme... Un travesti qui se rend pas compte qu'il a oublié ses seins dans l'autobus? C'est ça. C'est juste que esthéticienne, je trouve pas ça très ambitieux. Pff. Gilbert, toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh non! La dernière fois que tu m'as demandé ça, je t'ai donné mon opinion sur tes cheveux, puis tu m'as mordu. Oh, mais ça, c'était l'ancienne Catherine, là. La nouvelle Catherine a fait plus ça. OK, d'abord. Si j'aime pas ta réponse, là, je vais te planter les doigts dans les yeux. T'as trouvé aucun cours qui t'intéressait à l'université? Mais l'université, c'est pas fait pour moi. Mais tu pourrais quand même faire mieux qu'esthéticienne. Hey, le métier d'esthéticienne, c'est très important, tu sauras. Vous allez voir, j'ai l'intention de sauver mon prochain un point noir à la fois. Oh, puis autre chose aussi. J'ai pas dîné. J'espère que j'ai tout ce qu'il me faut pour le voyage. As-tu ton passeport? Oui. OK, parce que j'aurais pu te passer le mien. J'ai mon argent. J'ai un dictionnaire. Hey, j'ai même des condoms. Penses-tu que j'en ai assez pour 2 semaines? Fais attention avec les hommes là-bas. On entend plein d'histoires effrayantes. C'est vrai. Il y a plein d'affaires qui arrivent à de jolies jeunes femmes toutes seules en vacances. Mais pas juste des jolies jeunes femmes. Ça peut t'arriver à toi aussi. Sais-tu quoi faire si tu rencontres un homme dans un bar? Je prends pas de chance. Puis j'y ramène un coup de genou à Serrette dans le lunch qui va avoir un goût de prostate dans la bouche. Tu fais bien. As-tu une caméra? Ben non. Ah. Peux-tu me passer la tienne? Ben je l'ai plus. Mais je peux te passer des crayons de couleur. T'auras juste à dessiner bien vite. Hey, oublie pas qu'il faut pas boire d'eau là-bas. Inquiète-toi pas pour moi. Je fais bien trop attention à ma santé. Je boirai pas une goutte d'eau pendant 2 semaines. Juste de l'alcool. Good! Puis mange pas n'importe quoi. Pas de danger. Je vais prendre un gros pas avant de partir. Puis je vais me bourrer de pinottes dans l'avion. Hey, t'es-tu folle? Si tu sens trop les pinottes, tu vas te faire attaquer par des singes. T'as raison. Quand je vais manger des pinottes, je vais mettre bien du parfum. Ouais. Puis tu sais quoi faire si quelqu'un t'offre de la drogue? Ben oui, j'ai déjà vu des films quand même. Je vérifie si elle n'est pas coupée avec du sucre en poudre. Mmh. En tout cas, t'es mieux de me téléphoner au moins une fois. Pas besoin. Garde. Des walkie-talkies, wow! M'entends-tu? Oui, 10 sur 10. C'est des bons, ils sont même pas allumés. J'achète pas ta scrap. Allô, les filles! Ça va bien? Oui, ça va bien. On vérifie si Micheline a tout ce qu'il faut pour son voyage. Hey, as-tu pensé à apporter des brisures de chocolat d'un coup que tu veux faire des biscuits? J'aurais une proposition à faire à Micheline. Je te remercie, Catherine, mais t'es vraiment pas mon genre. Bon, je pense que ça va être plus long que je pensais, là. Écoutez, les filles, je veux devenir esthéticienne, mais il n'y a personne qui prend mon choix de carrière au sérieux. Pauvre toi! Veux-tu un condom? Merci. Je veux prouver que je peux faire une différence dans la vie des gens, puis j'aurais besoin de quelqu'un que je pourrais transformer, puis j'avais pensé à toi, Micheline. Ça me surprend un peu. Je me suis toujours considérée comme assez pétard. Ma pauvre Micheline, le seul point commun entre toi puis un pétard, c'est que tu ferais bien du bruit si on te mettait en feu. J'ai vraiment pas besoin d'aide au niveau de la beauté et de l'élégance. Hey, garde, Isabelle. Ma mère m'a fait apporter ça. J'ai promis que je la porterais en tout temps. Une ceinture de sécurité? Mais tu vas avoir l'air d'une vraie niaiseuse. Ben, je suis pas folle quand même. Je vais la mettre en dessous de mon costume de bain. Oh. Mon Dieu, je me croirais dans un vrai conte de fées. Catherine au pays des idiots. Hey, si l'avion s'écrase, tu m'appelles, hein? Voyons, je vais être morte. Je vais sauver de longue distance. Je vais apparaître dans tes rêves. Viens pas m'écœurer d'outre-tombe avec ton tan, toi. Hey, ça me fait penser. Tu sais qu'il y a du vaudou là-bas, hein? Fais-moi pas peur. Oh! Puis des zombies. Ah!
puis de la samba. Ah! Mais voyons donc, c'est une danse, ça. Oh, phew! As-tu entendu parler de quelque chose? Personne n'a été blessé grièvement. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Julie, c'est épouvantable. Tu sais, quand t'as fini ton cours au bowling, il y a une machine qui ramène ta boule à côté de toi. Gilbert pensait que sa boule était coincée, fait qu'on a fait tenir le préposé, un dénommé Thibaut. Thibaut a arrêté la machine, puis il s'est rentré le bras dedans. Dans la machine, pas dans Gilbert. Thibaut n'a pas trouvé la boule, mais quand il a enlevé son bras, sa manche est restée prise. Fait que pour le déprendre, moi, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de repartir la machine. Mais la machine s'est mise à tirer sur sa manche. Puis les boules de bowling ont commencé à arriver. Puis Thibaut s'est mis à crier. Ah, tout de suite, on a réagi. Parce qu'Alain et Gilbert se sont mis à tirer sur Thibaut pour le libérer. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai joué mon coup, j'avais une réserve. Ça faisait pitié, on pouvait rien faire pour Thibaut, sauf le réconforter. J'y flattais la tête, j'arrêtais pas de dire, ça peut pas faire si mal que ça, maudite mamoune. Thibaut souffrait tellement, on savait plus quoi faire. C'est là que Gilbert a eu une idée. Ouais. Il a pensé que Thibaut souffrirait moins s'il était inconscient. Fait que je lui ai donné un coup de quille en arrière de la tête. Et Thibaut était résistant, il voulait pas perdre connaissance. Ben voyons donc, Philippe, t'as rien fait. Oui, j'ai fait quelque chose. Les cris de Thibaut étaient insupportables. Fait que j'ai pris la guenille pour essuyer les boules, puis j'y ai rentré dans la bouche. Quelle expérience épouvantable à vivre. Ben oui, pauvre Thibaut. Ah oui, pour Thibaut aussi. Puis dire que tout ce que vous aviez à faire, c'est d'arrêter la machine. On va revenir, ça sera pas long. Aïe, aïe! Mon œil! Oh, elle est tellement pas habile. Micheline, fais attention quand tu te mets du mascara. Elle se mettait du rouge à lèvres. Oh. Catherine, c'est tellement le fun que tu veuilles transformer Micheline. Oh, Isabelle, s'il te plaît, j'ai beaucoup de travail à faire, hein? Ben, c'est pas si pire. Après tout, Dieu a réussi à créer l'univers en 7 jours. Ouais, mais moi, regarde avec quoi je travaille. Je pense que mon plus beau trait, c'est mes narines. Check! C'est vrai qu'elle a des belles narines. Micheline, fou, je t'avoue, j'ai toujours été jalouse de tes narines. Au secondaire, là, c'est moi qui mettais de la colle dans tes Kleenex. Oh, Isabelle! Si je pouvais, je t'en donnerais une pour que tu te fasses greffer. Oh. Comme ça, on aurait chacune une belle narine. Oh, je ne mérite pas. Isabelle, t'as encore oublié ton cerveau dans le verre d'eau à côté de ton lit? Oh. Penses-tu vraiment pouvoir me transformer? Accentuer mes traits positifs et voiler mes traits négatifs. Voiler tes traits négatifs? Isabelle, va me chercher la housse du sofa. Si tu penses vraiment pouvoir augmenter mon sex appeal, je suis prête à tout. Hey, pour plaire aux garçons, j'ai déjà mis des Kleenex dans mon soutien-gorge. Tout allait bien jusqu'à temps que je pogne un rhume et que je commence à piger dans ma brassière. Après ça, elle avait les yeux rouges, le nez enflé puis deux seins pas de la même grosseur. Est-ce qu'il y a un look en particulier que t'aimerais, là? J'aimerais ça avoir la tête de Catherine Deneuve. Bon, on va mettre les choses au clair tout de suite. Là, Micheline, la seule façon pour toi d'avoir la tête de Catherine Deneuve, là, c'est en te servant d'une guillotine. J'aimerais ça avoir les cheveux verts. Verts. Ça veut dire roux, elle est daltonienne. Encore plus roux que toi. Micheline, roux comme moi, c'est beau. Plus roux que ça, tu t'appelles Ronald, t'es un clown, puis tu vends des hamburgers. Moi, ça me dérange pas. Ah, puis il faut y faire les jambes aussi. Ça fait-tu mal? Pas du tout. Pas si on te fait une épidurale. Hey, j'ai tellement hâte que vous voyez la nouvelle Micheline améliorée. C'est quoi la grosse différence? C'est comme l'ancienne Micheline, mais avec une fraîche odeur de citron. Avant mon traitement, Micheline, c'était juste une jeune femme moche avec la personnalité d'une pantoufle. Puis maintenant? Maintenant, c'est une jeune femme raffinée et élégante avec la personnalité d'une pantoufle. Si, j'ai un peu peur. Micheline élégante et raffinée, c'est pas un des signes de l'apocalypse, ça? Catherine, Catherine, Micheline arrive! Ah! Attention, tout le monde! Vous allez voir ma création. Voici la nouvelle Micheline, régalez-vous! Wow! C'est pas croyable et pas reconnaissable! Maude, c'est pas Micheline, ça! Félicite, elle! Je pensais pas que sa race pouvait sortir à la lumière du jour. C'est moi qui l'ai invitée, c'est mon amie. Là, soyez gentils avec elle, c'est une femme d'une grande sensibilité. You! Bon, je vais faire un effort. Bon, est-ce que je vous apporte quelque chose à boire? Non, apporte de l'oxygène puis l'hydrogène, j'en fais mon verre d'eau. Quelle bonne ligne! À la fois bitch et éducative! Je suis surpris! D'habitude, on vous voit toujours derrière votre comptoir.
T'es surpris de me voir en dehors de l'université? Non, il est surpris de voir que vous avez des jambes. Catherine! Je viens d'arriver avec Micheline. Mais sa baigne était longue. Il a fallu que je retourne à la maison, j'avais oublié quelque chose. Mais c'est quoi? Micheline! Attention, mesdames et messieurs, vous l'attendiez tous, la voici, la nouvelle Micheline! Hey, c'est beau, hein? Le seul inconvénient, c'est qu'avec des talons hauts de même, elle a les oreilles bouchées. Micheline, comment trouves-tu ton nouveau look? Hein? Comment tu trouves ton nouveau look? Hein? Laisse faire. 3h15. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, même sa démarche est différente, hein? Elle a la grâce d'une panthère, hein, ouais? Oh! Wow! Oh! Je t'ai encore du nez! Oh, c'est l'altitude! Ah! Viens aux toilettes avec moi! Oh! Hey, pas pire, hein? Pis les gars, qu'est-ce que vous en pensez? No hablas francés. Excusez-moi. Pis moi, tu me demandes pas ce que j'en pense? Oh, pourquoi faire? Toi, je sais que t'es contre ma décision. De toute façon, tu connais rien à l'esthétique puis à la mode, là. Tu te rappelles, v'là deux Noël, tes pantalons rouges puis ton petit top argent. Pouh! C'était beau. Mais voyons, franchement, Julie, t'avais l'air d'une bande fontaine. Tout le monde aimait ça. Mmh. Surtout le chien du voisin, il arrêtait pas de la suivre avec la patte en l'air. T'essayes juste de changer de sujet. Bah, si tu veux, je vais t'aider puis on va te trouver d'autres choix de cours, hein? Hey, je veux pas suivre d'autres cours, tu comprends pas? C'est ça que je veux faire. Je veux pas me retrouver dans 30 ans une vieille femme amère qui fait une job qu'elle haït. Oh, j'en ai connu une femme de même. Mais c'est moi, ça. C'est vrai que dans votre temps, les femmes pouvaient pas aller au bout de leur potentiel. Coudonc! Tu es dans un bar ou bien dans un concours de têteuse? Tu comprends pas, Julie, que si j'ai choisi de m'en aller là-dedans, c'est peut-être parce que je sais que je peux rien faire d'autre, hein? Tu sais, j'ai l'air d'une fille sûre d'elle de même, là, mais ça, c'est juste un front. Moi, là, j'ai jamais eu de bonnes notes à l'école. J'ai jamais réussi dans rien. Pas comme toi, hein? Ben voyons, Catherine, pleure pas. Y a rien de mal à être esthéticienne, hein? Ah oui, je sais que tu trouves que c'est une job niaiseuse pis pas importante, hein, Julie? Oh, dis pas ça, Catherine, c'est pas vrai. Je vais aller te chercher un Kleenex, OK? Oh. Es-tu partie? Oui. Maudit qu'un poisson. Vous venez de voir le dernier épisode de la télésérie Majeur et vacciné. Restez des nôtres. Dans un instant, les Islanders de New York affrontent les Canadiens en direct du Centre Molson à Montréal à la soirée du hockey.